la genèse en fait de ce projet et de ce rapprochement trouve sa source dans Vaya. Vaya, c'est quoi? C'est le produit d'une recherche de plus de 10 ans en fait en R&D de notre côté pour construire la plateforme d'analytique avancée de référence. Et SaaS aujourd'hui, c'est le nouveau SaaS, repose sur une architecture containerisée avec l'appel à des microservices. Qui dit architecture containerisée dit un ensemble de contraintes pour sa mise en œuvre, tant sur les aspects de sécurité et de souveraineté. Donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas de notre côté, chez SaaS, on a souhaité s'entourer des meilleurs experts pour pouvoir mettre en œuvre ce qu'on appelle un bac à sable, mais qui est bien plus qu'un bac à sable, puisqu'aujourd'hui c'est même production ready, si je puis dire, et le mettre à disposition de tous nos clients et de nos prospects également. Voilà. Donc, qui dit containerisé, on aurait tendance à dire cloud. Oui, Vaya est cloud ready, mais pas cloud only. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Red Hat et Vortex se sont associés à cette démarche. Ça nous permet en fait aujourd'hui, grâce à Red Hat et grâce à finalement OpenShift, hein, de mettre à disposition un environnement dit on-premise qui répond aux exigences et de sécurité et de souveraineté. C'est des points qui sont essentiels pour nos clients. Voilà.